观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde, en français et en chinois. 下面请看详细内容。 记者12月12号从杭州海关获悉，1月至11月，浙江实现进出口总值4.31万亿元，同比增长14.7%，其中出口3.16万亿元，增长16.1%，进口1.15万亿元，增长11.1%，进出口、出口和进口规模均已超过去年全年水平。 En ouverture d'une réunion du Conseil national de la refondation, le 12 décembre à l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé que la présentation de la réforme des retraites serait différée d'un mois. Initialement prévue ce jeudi 15 décembre, l'annonce des arbitrages de l'exécutif aura finalement lieu le 10 janvier prochain. Ce report est notamment motivé par les élections professionnelles ainsi que les différents congrès en cours au sein des partis d'opposition qui se sont récemment dotés de nouveaux patrons. 12月12号，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第431场新闻发布会上，北京市药监局副局长王厚庭介绍，为更好保障居民基本用药需求，北京市全力调配货源，保障医疗物资用品供应，检测重点医药公司市场供需情况，在全国内调配货源，协调北京市防控药品生产企业与经营企业药店对接，开通绿色通道。 Le 10 décembre, les passagers de la compagnie aérienne saoudienne Arabian Airlines ont été accueillis en grande pompe à l'aéroport de Bangkok. Ce vol a permis à la Thaïlande de franchir le cap des 10 millions de visiteurs. Cette nouvelle étape des 10 millions de visiteurs depuis le début de l'année montre que le tourisme, secteur clé pour le royaume, a largement repris. Toutefois, ce seuil reste encore loin de son niveau d'avant-pandémie. 申通地铁集团提示，自12月12号首班车起，11号线上海赛车场站恢复运营。上海地铁所有车站不再查验核酸阴性证明和健康码。根据上海市优化疫情防控要求，请乘客配合测温，规范佩戴口罩。发现异常情况，请及时向车站工作人员汇报。 Lundi 12 décembre, la Chine a annoncé le retrait de l'application utilisée pour tracer les déplacements des habitants et s'assurer qu'ils n'étaient pas dans une zone touchée. Appelée carte des déplacements, elle se basait sur le signal téléphonique et permettait à ses utilisateurs de prouver à leur interlocuteur les lieux dans lesquels ils étaient durant les 7 derniers jours. Si aucun n'était classé à haut risque, l'application affichait une flèche verte, synonyme de passage autorisé. 鉴于社会面疫情形势变化，浙江省多所高校上周末至12月12号陆续发布通知，调整剩余教学和期末考试安排，学生经申请后可请假提前返乡。多数学校将剩余课程转为线上教学，并将期末考试时间调整到下学期。 C'est un projet d'ampleur que le président Macron souhaite défendre. Un grand port qui allie de Marseille à Lyon. Dans un entretien samedi à la Provence, Emmanuel Macron a déclaré « Marseille est une porte d'entrée naturelle par sa position géographique et par la présence de ses industries tournées vers l'avenir. Il faut aussi qu'on fasse, là encore, pour des questions de cohérence énergétique et industrielle, ce grand port qui allie de Marseille à Lyon. » 12月12号至18号，有2股冷空气先后影响中国，北方大部大风降温频繁，华北等地还将出现沙尘天气，公众外出需要注意防护。降水方面，由于缺少水汽配合，中国大部分地区降水稀少，天气干燥。 Dimanche 11 décembre, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Volodymyr Zelensky pour notamment préparer la nouvelle conférence de soutien à l'Ukraine qui se tient demain mardi à Paris. Le président Macron a déclaré « Nous avons discuté de la mise en œuvre de notre plan de paix en 10 points, de coopération dans la défense et de stabilité énergétique. » 北京时间2022年12月12号16点22分，中国在酒泉卫星发射中心使用长征4号丙运载火箭，成功将试验10号 AB 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于空间环境监测等新技术在轨验证试验。Un scandale vient d'éclater. Une vingtaine de perquisitions, 6 interpellations ont eu lieu à Bruxelles. Depuis vendredi, le Parlement européen est au cœur d'une affaire de corruption. D'un côté, le très riche Qatar, qui accueille actuellement la Coupe du monde de football. De l'autre, des députés, collaborateurs et responsables d'organisations. Le Qatar est soupçonné par la justice belge d'avoir voulu influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants. Dimanche, 4 des 6 personnes interpellées vendredi à Bruxelles étaient inculpées et écrouées pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. 以上就是本期双语快讯的全部内容，更多资讯请关注欧洲卫视YouTube频道及微信视频号。 C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.